Je ne sais pas vous, mais les cloches de l'école ont sonné et me voilà envahie d'un sentiment d'oppression, presque d'un étouffement. Une charge mentale s'installe, me rappelant à la réalité. Je veux une rentrée slow. Mais quelle réalité ? Une réalité de surproductivité véhiculée par des messages de l'inconscient collectif, de la société dans laquelle nous vivons. La société que nous toutes et tous construisons ensemble. Je ressens alors ce ralentissement estival qui me quitte péniblement, tel un enfant qui quitte les bras de ses parents avant de passer les portes de l'école. Tout cela me rend nostalgique. D'un autre côté, je crains me sentir coupable si je désire maintenir ce rythme slow, ce rythme conscient, vivant au rythme de la nature et non celui d'une société d'efficacité et de rapidité. D'un côté, je crains d'être moi-même embarquée par cette folie de la rentrée où tout recommence de plus belle, sursollicitée par le monde extérieur. Comment rester en lien avec qui nous sommes et ce que nous désirons réellement vivre sans se sentir embarqué dans l'œil du cyclone ? Accomplir le plus de choses possible et le plus rapidement possible, à la recherche d'un besoin de reconnaissance qui nous rassure. Voilà une chose que j'essaie de mettre de côté. Ce syndrome de la bonne élève qui m'habite depuis mes 10 ans, à l'âge précis auquel je suis passée de l'élève satisfaisante à l'excellente élève, modèle d'une classe. Je n'ai jamais désiré avoir ce premier rôle. Un rôle qui m'a emprisonnée dans un jeu d'actrice éreintant et oppressant. Beaucoup d'entre nous accordons de l'importance à l'excellence du résultat obtenu dans un but plus ou moins conscient, avouons-nous-le, celui de plaire et de satisfaire notre ego. Cependant, nous ne sommes pas dans un film, nous ne sommes pas dans l'obligation d'endosser ce rôle toute une vie. Un rôle que l'on n'a peut-être jamais choisi de jouer d'ailleurs. Notre valeur, ce qui fait ce que l'on est, n'est absolument pas dépendante des choses que nous accomplissons, mais de ce que nous incarnons. Être humain, et non un faire humain. Dans beaucoup d'esprits, se reposer rime avec ne servir à rien, ne pas contribuer au monde et perdre son temps. Ce qui amène très souvent à préférer remplir notre temps tel que l'on remplit un sac de courses. Des choses parfois utiles, parfois illusoires, qui nous alourdissent. Tout cela dans le but de nous convaincre nous-mêmes que nous servons à quelque chose dans ce monde. Tout cela dans l'objectif unique de fuir nos pensées et de refuser le repos. Pourtant, comment mieux profiter de notre temps, de cette denrée si limitée et irrécupérable, qu'en le remplissant minutieusement de choses qui nous ressemblent réellement, bien au-delà des étiquettes que l'on a pu se créer. Se décharger des choses inutiles comme nos croyances limitantes qu'il faut faire et refaire pour mériter de vivre, pour mériter de respirer. Remplir ne rime pas avec profiter de la vie. Remplir rime plutôt avec épuiser les réserves de notre vitalité. Thank you.
la nature ne ment pas. Elle suit le rythme des saisons, elle s'adapte et se complète, le tout formant un merveilleux écosystème. Nous sommes des êtres vivants, tout comme la faune et la flore qui nous environnent. Alors pourquoi faire semblant d'être différents? D'être ce que nous ne sommes finalement pas, des machines. Tomates cerises, elles sont bien bien mûres, j'en récolte quasiment ça tous les jours, donc je pense que je vais faire quelques petites sauces tomates. Notre oseille, plus je la coupe, plus elle repousse, donc j'en profite et j'en fais un petit stock. Ici des feuilles de framboisier, dès que je vois des nouvelles pousses dans le framboisier, je prends les jeunes feuilles pour faire des tisanes. Les jeunes feuilles, c'est les plus tendres et les plus riches en vitamines. Et ici, un mélange d'épinards, de mâches et également de roquettes. Voilà, une bonne plâtrée de verdure. Bien trop souvent, nous courons après les choses à faire sans même être conscients de ce que l'on entreprend. Ranger sa vaisselle, regarder une série en scrollant son téléphone, ou encore entendre et non écouter ses enfants tout en répondant à ses mails. En voilà une liste non exhaustive. Peut-être qui te parle. Faire toujours plus sans réellement apprécier. Ne serait-ce pas la pire manière de profiter de son temps de vie? Pour ma part, j'ai pris la décision d'arrêter de courir après le nombre de tâches que j'accomplis dans ma journée, mais de plutôt apprécier le processus. Le chemin. Thank you.
mettre de la conscience dans le café que je me fais infuser m'apporte encore plus de satisfaction à la dégustation. Tout est question de perception. Ce que l'on pense, ce que l'on ressent, vont bien au-delà d'un contexte qui ne sont que des circonstances auxquelles nous décidons de donner, ou non, de l'importance. Voilà l'état d'esprit que je décide d'avoir en cette 32e rentrée des classes. Incarner ce que je suis et m'autoriser à vivre au rythme qui est le mien, changeant et fluctuant au fil des jours, des minutes et des secondes qui passent. J'espère que ces quelques pensées que j'ai pu te partager aujourd'hui auront pu te servir à toi aussi. Elles sont vraies, elles sont authentiques et surtout elles sont vulnérables. Me rappeler de ces 4 points tous les jours aide à ne pas me laisser envahir par tout ce contexte tourbillonnant qui a tendance à me créer un stress et même à m'angoisser. Je t'invite toi aussi à faire le point de ton côté sur la manière dont tu souhaites vivre cette période, la rentrée, ou peut-être en fonction de quand est-ce que tu regardes cette vidéo, ce sera peut-être une autre période, pas forcément la rentrée, peut-être la fin de l'année avec toutes ces bonnes résolutions par exemple. Bref, quels que soient les moments clés d'une année, sache qu'il n'y a pas de bon moment pour remettre en question la manière dont on souhaite vivre sa vie, mais aussi le rythme auquel on souhaite la vivre. Pose-toi juste cette question. Quel est ton rythme là, aujourd'hui? Même si tu as des obligations, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, il est toujours possible d'adapter son rythme de vie, sa manière de vivre et surtout sa vision de vie en fonction de ce que l'on souhaite vraiment incarner dans le monde. Sache que le temps est précieux, il n'est pas question ici de se mettre la pression pour vivre un maximum de choses dans un temps imparti, mais juste de prendre conscience que le temps est une denrée finie et qu'il est nécessaire, voire même indispensable, de savoir comment on souhaite l'utiliser. En tout cas, il n'est jamais trop tard, car la vie, c'est maintenant.